Tu vois, on va finalement aller là où est notre place. Côtoyer les gens influents et chics au gala de charité, soutenons nos enfants. Je ne vois pas ce que je vais faire là-bas. Tu es le maire, pas moi. Cette manifestation est pour nous une immense chance de rencontrer des gens importants et parler de nos inventions. Et si je ne m'intègre pas? Et si je mange mal? Et s'ils me jettent des petits cornichons? Oh. Angela, tu as la même classe qu'une princesse anglaise. Merci, je n'avais rien d'assez chic, alors j'ai mis des nœuds sur une vieille robe. En tant que mère, je ne peux qu'approuver ces jolis nœuds. Oh, oh, regardez un peu par ici, on est sur notre 31. Alors vous aussi, vous avez mis vos beaux habits? Oui, celui-ci date de l'époque où j'étais modèle pour les nœuds papillons. Drôle d'histoire, en me présentant, je croyais qu'ils cherchaient des vendeurs de papillons, mais... Oh, j'ai un énorme doute, vous n'arriverez probablement pas à passer la brosse à reluire à tous ces gens élégants et chics. Tu te trompes, regarde. En plus, on a déjà les brosses qui sont prêtes. Je veux pas être méchant, mais vous êtes trop immature et stupide pour un gala chic, vous nous gênerez. C'est toi qui es immature et stupide, Tom. Ce sont tes propos qui sont gênants. Et pourquoi ils n'y vont pas? Ils ne peuvent pas prendre ma place, hein? Non, maintenant tu gardes ça. Sans, tu ressembles à un vulgaire employé de garage. Les gala chics, ça te change les gens, c'est fou. On dirait que j'ai mis mon nœud pape spécial pour rien. Wow! Regardez-moi cet endroit. On va enfin se mélanger avec les gens qui ont de la classe. Je suis douée pour et ça. Moi, je suis bon pour rester totalement immobile en espérant que personne ne me remarque. Non, Ben, tu es à ce gala de charité pour une raison. Maintenant, on trouve chacun un riche et on l'impressionne. Tu sais, pour les enfants, on est prêt à... Oh, hey, vous croyez que je fais partie du personnel? Et la réponse est oui, aucun doute. Mademoiselle la serveuse, indiquez-moi où est le plateau de fromage. Au Tonsomers? Mon éternel ennemi. C'est un tour de coup, dis. Je sais ce que je dis. Autumn Summers, vous savez quoi? On ne veut pas vendre nos écharpes ici. Vous ne réchaufferez plus jamais mon cou. Laisse tomber. Tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, je suis là pour me mélanger, discuter, bavarder, rencontrer des gens et puis... Bonsoir, je suis Tom, le maire Tom. Je suis riche. Ah ouais, j'avais aucun doute. Non, riche, c'est mon nom. Et riche aussi. Ah, et vous faites quoi? Vous n'avez jamais vu de destructeur de vœux? J'ai compris, c'est comme un puits à souhait très coûteux. Oh, vous l'utilisez pour la première fois? Non, bien sûr que non, non, non. Je suis à ma place ici. Vous êtes impressionné? Vous devriez l'être. J'ai l'impression que je n'ai qu'un billet d'un dollar. Vous voulez plus d'argent pour faire un vœu correct? Non, 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 ça ira, c'est un vœu à un dollar. Hein. rappelez-moi en quoi précisément cela va aider ces chers enfants. Si vous posez la question, c'est que vous n'avez peut-être rien à faire à ce gars-là. Ah, Tom veut que je me mélange, mais comment? J'ai des connaissances, mais dans n'importe quelle soirée, ça n'a jamais aidé. Oh, il y a une montagne de fromage. Oh, lequel manger en premier? Oh. Et elle a l'air d'avoir besoin de connaissances sur les fromages. Non, Ben, dans les soirées chics, les connaissances sont inutiles. Je crois que je vais choisir au hasard. Au hasard? Mais quelle catastrophe! Arrêtez! Ce fromage, c'est du Geschmeckkrieg et l'autre, c'est du Dagelskål. Pour vivre une véritable expérience, vous devez manger le Krieg après le Skål. Vous venez de me dire quoi, au juste? J'aurais jamais dû parler. Je vais m'effacer discrètement, comme ça je ne causerai pas de scène. Ah, vous êtes fantastique. Voilà, c'était prévisible. Quoi? Quelle culture, quelle classe. Quel est votre nom? Ansel? Chrétien? C'est Ben. Oh, le diminutif de Bentusius. Eh bien, mon cher Bentusius, accompagnez-moi à la pièce inabordable. N'y sont autorisés à y aller que les meilleurs d'entre nous, parce que tout y est inabordable. Oui. Il joue au mec cool en allant à ce gala. Si on allait à un gala, je te parie que ce serait plus chic que le leur. Je suis d'accord à 200%. Les 200%, ça fait encore plus chic. À notre fête, tout le monde mangera des spaghettis en or. Et des hot dogs enveloppés dans de la soie naturelle. Oh,
Est-ce que tu penses à ce que je pense? On fait une fête chic! Yeah! Le choc de la fête chic! Yeah! C'est vrai, tout a l'air inabordable. Profitez, cet endroit est à vous, vous y êtes à votre place. Helmut, oh, 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 oh. Je vous croyais au bord de la mer. Ah oui, ah, le Big Boss. J'aurais dû savoir que c'était trop beau pour être vrai. Qu'est-ce qui vous amène ici? Vous espérez voler une de mes dernières inventions? Quoi, Ben, arrête. C'est un gala de charité pour nos chers enfants. Je suis, désolé. Je ne connais pas encore toutes les manières chic. Je suis nouveau dans ce genre de gala chic. Au fait, salut. Ben, cette soirée se passe en terrain neutre. Dans ce salon, nous sommes deux personnes chic. Je ne veux même pas savoir quelles sont ces nouvelles inventions. Eh bien, c'est un soulagement. En plus, je n'ai pris avec moi que mon dé-résineur. Il remet les raisins secs en grappe. C'est intéressant. Deux aliments qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Vous ne savez pas que le raisin sec, que ce sont des grappes qui ont séché au soleil? Bien sûr que si. S'il te plaît, arrêtons de parler travail. Mettons nos inventions et machines dans le coffre sécurisé en terrain neutre. Comme ça, on ne sera plus tenté d'en parler. Ça, c'est une bonne idée. Je commence à me sentir à l'aise ici. Ça doit être pareil pour Tom et Angela. Elle est bonne. Tout à fait. Elle est bonne aussi. Finalement, j'ai trouvé quelqu'un dans cette fête qui sait écouter. Et donc, je vous disais... Et donc, je vous disais, vieille branche, un peu d'argent frais pour votre soupe. Je vous remercie, mon très cher. J'adore manger des soupes super riches. Vous savez, si cette soirée était super stricte et sélective, vous ne seriez pas là. Je serais le seul et unique, car je suis le plus chic. Non, soyez pas si certain. Je possède la Tour Eiffel, le monument le plus chic, et mes sous-vêtements sont en or massif. Ah ouais? Et moi, j'ai un chalet en bois sous l'océan, et mes sous-vêtements sont faits de diamants et d'or. Je me sens outragé, et je vous provoque en duel. Même mes duels sont très chics. Donnez-moi l'heure et le lieu. J'accepte, au plus tôt et dans ce lieu. Je suis votre homme. Eh bien, je trouve que dans les soirées chics, les connaissances sont très utiles. Et selon le coefficient de mélange qui assure un certain succès de réussite, on peut dire en réalité que c'est 90% de chance. Nous buvons vos paroles. À propos de boire, où est cette serveuse qui dit qu'elle n'est pas une serveuse? Je ne suis pas une serveuse. Tu vois ce que j'endure? Ouais, je suis désolé que tu passes une mauvaise soirée. Je me sens très à l'aise avec les gens fortunés. Si ça peut te faire plaisir, on trouve Ben et on s'en va. Psst, Ben, on y va. De quoi parles-tu, Tom? Tout se passe bien. Je me sens dans mon élément. Et l'un d'eux est le barium. Et c'est que Angela ne prend pas autant de plaisir comme nous pouvons en avoir tous les deux, alors on pourrait peut-être y aller. Je ne veux pas partir, j'ai rencontré des gens charmants. Ça pourrait servir l'entreprise. Avec le Big Boss, on a discuté tous les deux. Nous sommes amis maintenant. Alors, je vous présente le dérésineur. Une machine qui inverse le cours des choses, et ça, c'est mon idée. Ce trésor de dérésineur va régler tous vos ennuis avec les raisins secs, en les retransformant en grappes. Vous saviez que les raisins secs, avant, c'était mais ça? Le terrain neutre! Mais c'est notre invention! Oui? Dans ce cas, pourquoi je viens de la sortir de mon coffre sécurisé à invention du Big Boss? Ah! Le coffre sécurisé en terrain neutre, tout n'est que mensonge à cette soirée de gala! Je suis affreusement blessé de vous entendre m'accuser d'avoir volé votre invention. Eh bien, vous allez devoir choisir. Soit vous me croyez, moi, le riche PDG, ou ce petit nouveau sans le moindre sou. Nous, les riches, nous te croyons, Karl. Tu es riche comme nous tous. Bentusius, tu ne nous laisses pas le choix. La sécurité! Je m'en occupe. Mes amis, gardons notre calme. En tant que maire, je voudrais vous dire une seule chose. Cours! Ah! C'est à moi! Mon dérésineur, emmenez! Mon idée, mon invention! Non! J'ai un poulet mécanique! Et il pond des omelettes chics! En duel! Eh bien, moi, j'ai un monster truck en or qui a son propre chef cuisinier qui fait les pancakes! C'est un monster food truck! En duel! Qu'est-ce qui se passe?
Nous faisons une petite fête chic entre nous, sans vous. Ah, alors, Tom, comment c'était ce gala? C'était incroyable. C'était terrible. Terriblement étonnant. Étonnamment terrible. Ouais, bon, d'accord, c'était terrible. J'ai découvert que chic signifiait snob. Et le Big Boss a essayé de voler mon dérésineur en terrain neutre. Alors notre fête, elle est bien mieux. Beaucoup mieux. Est-ce que on peut se joindre à vous? Eh bien, je crois que oui, tant que vous vous souvenez que c'est moi le plus chic. Oh, comment est-ce possible quand on sait qui est le plus chic? Tu parles de moi. Ah,